Bonjour à tous, on se retrouve dans l'épisode 15 de ma chaîne YouTube de Last Chaos Développement pour la création de titres. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de votre serveur, que ce soit VPS, Navicat ou VMware, et vous aurez besoin de éditeur Last Chaos Développement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans LCDev Pactamona. On se rapproche de Noël, les enfants. Et ensuite, une fois que vous avez ouvert le pack d'Amona, vous allez ouvrir deux logiciels distincts. Item Editor et Titre. Donc Title. Donc en fait, vous aurez besoin de ces deux logiciels. Donc le premier va vous servir pour faire une copie de titre afin de créer le titre recherché. Et le deuxième va vous servir à tout simplement créer le titre. Mais moi, je vais vous montrer une méthode sans logiciel pour créer le titre, étant donné que je ne fais pas confiance à 100% pour pas détruire ma base de données. Je ne vais pas utiliser le bouton save de ce logiciel. Mais vous pouvez le faire à vos risques et périls. Donc là, nous allons chercher un titre. Donc, je sais pas, moi, par exemple, vous prenez le titre aventurier. On va prendre celui-là. On s'en fout. Prenez ce titre. Donc ça, c'est l'anniversaire 100 jours dans le jeu. Faites copy to news. Voilà. Une fois que vous avez fait copy to news, là, vous mettez le nom de votre titre. Donc, je sais pas moi, on va écrire ça comme ça, voilà. Boss de Juno. Donc, on va dire, c'est un exemple. Hein. Admettons, vous allez tuer un boss à Juno et vous validez la quête, vous recevez ce titre-là. C'est un exemple pur et simple. Donc, titre pour avoir tué le boss de Juno. De Juno. Donc ensuite, une fois que vous avez copié, que vous avez renommé, etc., vous allez modifier cette valeur. Mais avant de pouvoir modifier cette valeur, il va falloir créer une ligne ici. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre dans la base de données directement. Hop, hop, registration. Donc, vous allez tout simplement aller dans News Project Data, T-Title. On classe par ordre alphabétique. On va copier un titre. Donc, en l'occurrence, c'était l'index 20, la copie. On peut prendre au hasard. Hein. Faites CTRL C. CTRL V. Non, pas comme ça. Ouais, bon, en fait, il m'énerve ce logiciel qui veut pas copier comme je veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quelque chose. Vous prenez pas la tête à faire comme moi. Donc on va modifier par 5, 205. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez mettre pour vous repérer. On s'en fout. Encore une fois, les titres ne vont pas charger le nom par rapport à ici. Donc, ASDD, on s'en fout. Ce qui va être important, ça va être de modifier l'index de l'item qui se trouve ici. Donc, pour ce faire, vous allez déjà modifier par 205, soit l'index du titre, faire save pour créer l'item dans votre base de données. Voilà. Donc, ensuite, vous avez créé votre titre. Voilà. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que
On va prendre cet index, on va le copier ici, et voilà. Et on va faire ça. Ensuite, nous allons fermer titre editor, nous allons rouvrir titre editor. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc ensuite, voilà, nous avons base de Juno. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est que à partir de là, vous pouvez modifier les options. Par exemple, je sais pas moi, on va lui mettre une conservation de mana, donc 59. Voilà, on va lui mettre 50%. On va lui mettre un move speed, c'est 60. Voilà, 64. On va lui mettre 30%. Voilà, on va rester comme ça. Donc ensuite, vous faites save. Voilà pourquoi je voulais pas faire avec ce logiciel, parce que le nom n'est pas sauvegardé. Il faut le refaire à la fin. Donc ensuite, vous sélectionnez la couleur de votre texte. Donc admettons, vous voulez bleu, rouge, rouge, etc. Donc là, en l'occurrence, on va faire un titre violet. Puis là, vous sélectionnez l'opacité de votre background, donc image de fond. Et vous sélectionnez en fonction des couleurs que vous désirez. Donc là, par exemple, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Très bien. Ensuite, on fait save. Et voilà, on est bon. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est de retourner dans la base de données. Vous pouvez le faire si vous le désirez. Là, vous aurez plus Boss Juno, voilà. Vous allez ici, vous prenez ça, vous mettez ça là, mais encore une fois, c'est pas ici que ça va lire le nom et la description du titre. Donc, une fois que vous avez fait ça, il vous reste juste à exporter titre, les titres et les items. Donc, pour exporter les titres, vous allez dans le multi-export, vous faites multi-export, on va supprimer tout ça. Vous sélectionnez title et vous exportez. Et vous faites pareil avec les items. Ensuite, nous allons aller dans String Editor. String Editor. Donc là, encore une fois, on a créé un item et on a créé un titre. On a créé deux choses différentes reliées. Donc vous faites ouvrir. Vous allez dans le local str item us. Donc, en l'occurrence, moi, c'est en français. Donc, je vais écrire en français. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement, regarder 113,66. Donc, voilà. Et on va copier les informations. Donc, ça, faire très attention, car ce que vous allez rentrer dans le STR va correspondre à ce que vous verrez en jeu sur votre titre. Le nom du titre et la description. Donc, voilà. Et vous faites Apply Change. Vous vérifiez bien que l'index correspond à l'index de votre item. Donc, vous faites Save. Une fois que ça c'est fait, vous allez relancer votre serveur. Donc, peu importe sur VMware. Ce que vous voulez. Helper, Messenger, Subhelper, Connector, le Messenger, Subhelper, Connector, GameServer. Donc moi j'utilise cette méthode. Donc là, je lance le game server en debug.
pour pouvoir voir tout ce que je fais en temps réel, si je le souhaite, s'il y a un bug ou quoi. C'est une méthode que vous pouvez essayer. Donc voilà, le serveur est lancé, donc je couperai la vidéo parce que il faut un certain temps afin d'exporter item load. Donc on se retrouvera à la fin de l'exportation depuis la base de données à multi export file. Et puis voilà. Après l'exportation de item, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir votre data du jeu. Vous allez devoir tout simplement remplacer le fichier titre que vous avez exporté au préalable et item all que vous aurez exporté également avec votre nouvel item. Également, vous aurez mis le nom et la description du nouvel item dans le local strus avec le string editor hérétique. Vous avez relancé votre jeu, vous vous connectez. Donc, il y a une petite erreur, c'est tout simplement le logiciel 3D qui interfère avec le lancement de l'Ascaro. C'est pas bien grave. Donc, une fois que vous avez lancé le jeu, vous vous connectez à votre jeu, vous dropez l'item en question. Donc, on va utiliser la fonction de copier-coller. Donc, 113.66. Donc, vous vous connectez sur le personnage que vous désirez avec commande. C'est mieux pour tester. Donc pour ce faire, maintenant, vous avez juste besoin de tout simplement utiliser la commande itemjet 113.66 et vous recevez Boss Juno. You received Boss Fury Juno. True Juno. Donc vous ouvrez. Donc également l'icône, vous pouvez le modifier par rapport à Item Editor. Hein, c'est là, j'ai juste fait un titre comme ça. Donc vous double-cliquez dessus. Il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Il faut pas avoir ce statut. Donc, la vidéo c'est freestyle. Hein, donc, s'il y a un petit souci, on va le voir ensemble assez rapidement. Nous allons regarder. Qu'est-ce qui merde? Donc, pour ce faire, nous allons regarder 60-85. 60-85. 60-85. Donc, comme vous voyez, 2-11-512. D'accord? De 11 512, on va à notre item. Vous voyez que là c'est pas bon. De 11 512, vous voyez, le logiciel, des fois faut vraiment travailler par rapport à la base de données, parce que c'est s'il n'y a pas le subtil titre, ça va bugger en jeu. Donc obligatoirement vous allez devoir vérifier par rapport à un autre titre qui fonctionne en jeu, donc par exemple le jeune aventurier, pour si vous rencontrez des bugs avec le logiciel que vous faites manuellement depuis votre titre. Comme vous pouvez le voir, là je l'ai fait manuellement. Là vous voyez 2-0. Si on actualise, on passe en 2-11. Et là, un petit restart de serveur s'impose et une nouvelle extraction du titre s'impose également. Je suis désolé, mais c'est le risque à prendre quand on utilise des tools qui sont gratuits sur Internet. Il y a des bugs. Donc on va garder quand même le titre dans l'inventaire. Donc là, vous voyez, on ne peut pas cliquer dessus. Hein.
On a perdu la connexion parce que j'ai relancé le serveur. Donc je vais le relancer tout de suite. En même temps, je vais faire l'exportation. Toute façon, on se retrouvera après l'exportation, encore une fois. Donc voilà, donc on se retrouve après l'exportation pour la deuxième fois. Donc on copie, on colle dans le client. Voilà, on remplace. Vous avez relancé votre serveur en parallèle. Vous vous connectez sur le jeu et on va tester ensemble l'item qui ne fonctionnait pas juste avant. Je fais pas de script, je fais pas de vidéo à l'avance. Moi, je fais les vidéos sur le tas. C'est mieux l'authenticité, non? Donc vous allez ouvrir votre inventaire. Et puis maintenant, vous pouvez voir que j'ai reçu le titre. J'ai double-cliqué dessus. On va vérifier tout de suite le titre en question. Régénération de magie 20%. Conservation de mana 50%. Rapidité 30%. Nous allons vérifier la couleur. On est parfait. Donc après, si vous voulez voir ou être sûr que ça correspond bien à vos attentes, vous lancez le pack de Damona, vous ouvrez votre titre. Donc on va aller. Voyez, 14. Les options fonctionnent bien. Vous ouvrez votre titre. Voyez, régénération de magie 20%, conservation de mana 50% et rapidité 30%. Vous descendez tout en bas et vous pouvez voir que les options correspondent. Skill cooldown réduction 20%, écrase MP consumption 50%, rapidité 30%. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de création de titre vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez une question, un projet ou quelque chose à voir avec moi, toutes mes informations de contact seront dans la description. Je vous souhaite un agréable mardi et je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Peace!